Monsieur le Président de la République du Suriname, Mesdames et Messieurs les ministres, chers délégués, Mesdames et Messieurs, au nom du Président Emmanuel Macron, Président de la République française, et au nom du Président Rodolphe Alexandre, Président du gouvernement local de Guyane, je voudrais tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président, vous et votre gouvernement, pour l'engagement de votre pays pour protéger votre forêt primaire et féliciter les organisateurs pour le professionnalisme qui a marqué cette importante réunion et les remercier de leur invitation. La Guyane française, voisine du Suriname, affronte avec une jeunesse nombreuse à la recherche d'emploi, les mêmes défis. Mais nous partageons aussi les mêmes opportunités de développement avec le bouclier guyanais. Nous devons trouver ensemble les voies d'un développement durable pour faire de la forêt une chance. Une chance non seulement pour le monde, compte tenu du rôle que joue la forêt pour l'équilibre du climat, mais aussi une chance pour nos territoires et leurs habitants, à commencer par ceux qui y vivent depuis tant d'années, Amérindiens, Marrons, peuples autochtones. Nous sommes ici tous leurs ambassadeurs. Vous savez que la France est fortement engagée pour que l'application de l'accord de Paris soit un succès. Et le président Macron a pris plusieurs initiatives en ce sens, comme One Planet Summit, pour que les financements soient aussi au rendez-vous. Nous devons également faire en sorte que le service rendu par la forêt contre le changement climatique soit mieux prise en compte dans notre économie globalisée avec plus de justice. Nous avons aussi à innover dans les solutions du développement durable, valoriser la biodiversité. Et je voudrais citer l'exemple de la Comestic Valley, chère au président Rodolphe Alexandre, qui s'implante à Cayenne. Mieux utiliser les technologies modernes comme satellitaires. Fermer la page des mines d'or qui ne respectent pas l'environnement et promouvoir des mines sans mercure qui rendent à la fin de leur exploitation des territoires à la nature sans difficulté. Développer une filière bois avec une gouvernance de la forêt qui soit plus honnête et soutenable en misant plus sur la valeur ajoutée que sur la simple exportation d'agrumes. Promouvoir l'écotourisme autour de nos réserves naturelles qui travaillent déjà ensemble entre Guyana, Suriname et Guyane. Le bouclier guyanais qui est une chance extraordinaire pour cette région. Monsieur le Président, chers délégués, sur tous ces sujets, vous devez savoir que vous aurez toujours à vos côtés la Guyane et la France, avec le soutien de l'Union européenne qui fait beaucoup sur ces sujets, comme nous sommes aux côtés des jeunes qui se sont exprimés tout à l'heure. Merci beaucoup.